famille. Hey, salut, salut, coucou. Ah, aujourd'hui est un grand jour. Ouais. Ça y est, on a signé. On a signé. On a signé pour notre nouveau camping-car. Voilà. Alors, il y en a sur ceux qui nous suivent sur Facebook sont déjà un petit peu au courant parce que Fab a mis des photos, enfin, on a mis deux, trois trucs. Mais vous, amis YouTube, vous n'êtes pas au courant. Ouais. Donc voilà, le rapido... Il va nous quitter dans une semaine. Il va nous quitter samedi. Mais c'est Rudy et Lulu qui s'en vont avec. Rudy et Ludivine. Voilà. Mmh. Et nous, on a été commandé... Le nouveau. Le nouveau. Et c'est quoi ? Allez, on va pas vous faire mariner un petit allez. Peu, là. Bah ouais. Donc, après... un peu moins d'un an, parce que ça fait bien un peu moins d'un an qu'on veut changer et qu'on cherche. Ouais, il y a un an, quoi. On a commencé à dire l'année prochaine, on changera. Voilà. Et on a commencé vraiment à aller visiter les intégraux il y a un peu plus de 6 mois. Ouais. Six mois. Ouais, dans l'hiver déjà. Voilà. Et puis, on en a fait. On a fait plein de marques, hein. Ouais. Oh là là. On a pesé le pour, le contre. Voilà. On a regardé la fabrication, on a regardé les finitions. On a pu s'apercevoir qu'il y en a qui n'étaient pas bien finis. Ça coûtait relativement très cher et c'était pas. Enfin, bref, il y avait des gros défauts de finition. Enfin bon, bref. Et puis un jour, on s'est arrêté chez Isaacar à Charvonnex. C'est pas loin de chez nous. Pas loin de chez nous. Et on a rencontré Geoffrey. Geoffrey. Qui nous a dit qu'il y allait avoir un super... un nouveau modèle. Un nouveau modèle de camping-car qui allait arriver et qu'on allait être... surpris. Surpris. Et ça a été le cas. Ça a été le cas parce que lui il n'avait encore pas fait la convention Detlef. Et quand il a fait la convention Detlef, il nous a envoyé des photos. Il nous a dit, vous allez voir, vous allez... C'est vraiment un bon véhicule. Les yeux, et effectivement, on en a pris plein les yeux. Et voilà. Et quand on est rentré de vacances, on était parti sur un autre modèle au départ. Oui, mais on ne dira pas lequel non plus. Non, c'est une marque française, on n'est pas là pour casser les uns les autres. Exactement. Hein. Donc, on était parti pour une marque française et en montant en vacances, on s'est arrêté un peu dans plein de concessions. Oui. Hein, entre autres, à Rennes, à Nantes, on en a fait plein. Hein. On s'est arrêté, on a regardé plein de véhicules. Ouais. Et puis, on a été très déçus. Très déçus par quelques modèles qu'on pensait... bien, et puis pour finir, non. Donc on est retourné voir... En revenant de vacances, on est retourné voir Geoffrey. Geoffrey. Et voilà, qu'il avait reçu le modèle. Le modèle. Donc c'est tant un... tant attendu. Voilà. Donc pour la référence, c'est le nouveau Detlef, le Pulse I-70. 51 DBL. Voilà. Alors pour la référence, je crois que c'est ça. Enfin, vous mettrez ça en description. Voilà. Et c'est ça. Ça peut. Peut-être qu'il y en a, ça leur plairait. Ça va pas leur plaire. Hein. Ouais. Il en faut pour tout le monde. Nous, on a flashé. Ouais, tout à fait. Voilà. Enfin, surtout Fab, là. Alors moi, ça a été mon coup de cœur. Design moderne. En plus, tout ce que je voulais. Un salon face à face, un grand lit, et effectivement en plus sur le lit cabine c'est un grand lit aussi de 150 sur 195 et le lit central à 190 sur 160, c'est génial. Il y a une place phénoménale, c'est bien fait, il a des coloris super, il est style un peu moderne, contemporain, voilà, enfin bon. Vous allez le découvrir dans notre vidéo et on attend vos commentaires de savoir ce que vous en pensez. Alors, inutile de dire que vous me connaissez, enfin vous commencez un peu à me connaître. Moi, j'ai épluché en long, en large, en travers, dessus, sur les côtés pour savoir la finition, bien sûr. Parce que maintenant, ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait du camping-car et puis, on ne veut pas acheter n'importe quoi. On s'est lancé dans un intégral, mais on ne voulait pas acheter n'importe quoi. Tout à fait. Donc, on a bien réfléchi. Voilà. Déjà, en vacances, on s'est arrêté chez un concessionnaire Detlef. Il avait pas d'intégraux. Ouais. Il avait le Trent, mais il n'avait pas le Pulse. Voilà. Si, il avait le Pulse, mais en profilé. Mais en profilé.
Voilà. En profilé. Donc on a pu à peu près voir la qualité de, voilà, du de produit. Fabrication. Voilà. Ouais, ouais. On a pu j'ai pu déjà voir tout de suite déjà vraiment la différence avec ce qu'on avait pu voir auparavant, les différences de finition. Ouais. C'est vraiment c'est un véhicule construit en Allemagne. On voit tout de suite que. Ouais, voilà. la qualité est. Ouais. Ouh là là, c'est ouais. Ouais. On a été agréablement surpris. Pour aussi un tarif qui est équivalent, voire même moins cher. Ouais. Que certains produits français qui sont pas Alors c'est dommage, de qualité, nous, quoi. On a toujours eu des camping-cars Made in France. Ouais. Mais là, ma foi, on a flashé, et des fois il faut changer pour voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Alors aussi, quand on était en vacances, à chaque fois qu'on voyait, quelqu'un qui avait un Detlef, on est allé lui poser des questions, savoir s'il en était content, s'il avait eu des problèmes, s'il n'avait pas eu de problème, tout ça. Et puis tous ces gens-là qu'on a pu rencontrer nous ont dit, c'est un véhicule, on n'a pas de problème avec, voilà. Donc là, ça pesait aussi vachement le pour, parce que voilà, le dernier monsieur à qui j'ai posé des questions, c'était à Plougonvelin. Il y a un monsieur qui est arrivé sur l'aire de vidange, on attendait et tout ça, et il est arrivé avec un Detlef profilé. Et j'étais loin, j'ai dit, excusez-moi, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes content de votre véhicule? Le monsieur m'a dit, texto, il m'a dit, écoutez, moi c'est mon quatrième Detlef et je ne changerai pas pour autre chose. Bon, alors là, tout de suite, je suis rentré, j'ai dit à Fab tout de suite, j'ai dit, bah voilà, j'ai vu un monsieur. Bah, c'est vrai que pour l'instant, on a eu que des bons. Voilà. Hein, on a eu que des bons. Des bons retours. Voilà. Des bons retours, monsieur. Hein. Donc on verra. Voilà. Hein. Alors là, on va vous laisser regarder notre nouveau camping-car. À tout de suite. Thank you.
Eh bien voilà. Eh ben voilà, alors j'espère que notre nouveau camping-car vous a plu. Vous a plu? Voilà, alors le délai de livraison, c'est pour fin février. Ouais. Alors là, au moment où on tourne la vidéo, nous sommes le 1er septembre. Voilà, Voilà, on vient on de le est, commander ce matin. voilà, ce matin. Hein? Voilà. On vient de passer commande ce matin et le véhicule sera livré il arrive en concession fin février. Faudra aménager Ouais, et un puis store, une antenne, tout entre ça. guillemets, peut-être que si on a un peu de neige, il va peut-être rester Voilà, là-bas. Voilà, un petit moment. Enfin, peut-être pas trop un longtemps petit non plus, moment. hein. Voilà, Voilà. pas trop longtemps. Non. Donc, mettez en commentaire si vous a plu. Si vous a pas plu aussi, hein, ça peut arriver, Bah oui, hein. Hein, bah voilà. oui. Nous, on s'en fout, il nous plaît. Voilà, nous, il nous plaît, hein, pour l'instant. Énormément. Voilà, il nous plaît Énormément. énormément. On espère qu'on va passer de bons moments, autant Voilà. de bons moments qu'on a passé avec notre rapido, Oui, tout hein, à fait. et notre pilote qu'on avait avant. De toute Exactement. façon, l'achat d'un camping-car, c'est toujours, hein, Ouais. c'est Et toujours. on remercie chaleureusement Geoffrey Ouais, et et Benoît, Benoît de chez Isaccar à Charvonnex dans le 74. parce que c'est vraiment, Ils nous ont bien accueillis. il s'est bien occupé de nous, Ouais, il était super toujours en sympa. contact avec nous, il nous a envoyé des photos, Ouais. Voilà. voilà. Alors, Geoffrey, il est vraiment passionné de la marque. passionné. Ça fait plaisir d'avoir Quelqu'un qui s'investit autant pour une marque et qui est professionnel parce comme qu'on lui. voit vraiment qu'il adore Ouais, ça. ouais, ouais. Voilà. Non, il est vraiment Il est super. vraiment très bien. Alors Ouais, d'ailleurs, ouais. s'il y en a qui vont au Salon du Bourget, vous pouvez aller le voir. Voilà, vous irez voir Geoffrey Ouais. Vous allez voir sur le Geoffrey sur stand le stand d'Etlef. Vous d'Etlef. demandez Geoffrey Voilà. et vous verrez que c'est quelqu'un vraiment de. Très, Ouais. très sympa. Très sympa, très bien Ouais. et passionné. Passionné. Un Ouais. peu comme nous avec le camping-car. Voilà, Et tout lui, il à est fait. passionné de la marque d'Etlef. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Exactement. Bon, voilà, sinon, eh ben, les vidéos, vous voyez, là, on est toujours en train, hein, voilà. Ça bosse dur. Ça bosse dur, la 66 est en train de se terminer. On Voilà. continue. Il y aura peut-être un petit peu de stand-by Ouais, il y aura dans des l'hiver. décalements. Ouais, bah, cet Hein, hiver, voilà, c'est voilà. l'hiver. Hein. En plus, on n'aura plus de camping-car dans une semaine. Voilà. Et après, bah, l'autre, il faudra attendre qu'il arrive. Mais bon, on fera peut-être deux, trois petits trucs sympas. On papotera, on parlera d'un tas de choses. Voilà, on Voilà. parlera. Il y a Voilà. toujours des Faut gens qui vont suivre. pas. Ouais, Voilà. voilà. Et puis, on souhaite à Ludivine Et à et Rudy, à Rudy. une longue vie avec notre rapido. Avec notre rapido qui passe du plaisir. Ouais, comme nous, Hein, on en a eu comme d'ailleurs. nous, on en a eu avec ce véhicule. C'est vrai qu'on ne peut pas le critiquer parce que Ah ben non, 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 ça a été super, super. c'était un Ouais. super véhicule. Et même maintenant, une nouvelle aventure commence. Voilà, nouvelle aventure. Là, Voilà, on l'a j'espère qu'elle va bichonné. durer Il est tout longtemps. beau. Il est tout Ouais. beau, tout propre. Ouais. Nickel. Voilà. Il a passé son contrôle d'étanchéité. Il a passé son contrôle technique. Il a eu une petite vidange moteur, un petit Ouais, enfin bon, entretien. il a tout eu. Il a eu tout eu. Voilà. 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 Hein. Donc, bonne route Maintenant, voilà, avec exactement. le rapido. Ouais. Et puis, Et si vous avez envie d'aller chez Isaka, c'est à Charvonnex 74. voilà, on vous mettra le Voilà. lien. On va vous mettre le lien Super concession. le lien de leur site internet. En fait, il se trouve au milieu de la Haute-Savoie, Ouais, pratiquement. ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc, vous pouvez venir de tous les Très proche des alentours. clients, très très Ouais. proche des clients. Ouais. Sympa, hein? Familial. Ouais. Cool. Cool. Voilà. Voilà. Alors, Bon. Sur ce. sur ce, on a quand même acheté un nouveau véhicule, hein. Donc il faut Il faut l'arroser avec ouais, vous, hein. Il faut voilà. l'arroser. Alors, hein. Alors Santé, bonheur, contact moteur. Alors ça, c'est du punchy, hein. punchy, Et puis c'est un petit coup de pinot, hein, bah bien pour sûr, Phil, hein. bah bien Fab un sûr. petit coup de punchy et puis Phil un petit Voilà, coup de. il faut Hein. ce qu'il faut. Voilà. Bon bah à notre Deslef Un autre Detlef. et Hein. à la maison Isaka et Ah à tous nos amis. Voilà, santé, bonheur, ouais. Ouais. Contact contact moteur. moteur. Et puis. Un Mettez pouce un en pouce en avant. avant. Ciao, ciao. Ciao! Et puis Gibson, il est content d'avoir un nouveau camping-car. Il va avoir plus de place. Il va Ah pouvoir mettre son ouais! panier dedans. Son grand Super! panier. Hein? Ouais! Ouais. Hein? Il est content? Les quotas? Ouais, il s'en fout un peu. Ouais! Hein?
Ouais, du moment qu'il est avec nous. Ouais, du moment qu'il est avec nous, restons, hein, Ouais. hein. Puis du moment qu'il voyage, hein. Ouais. Voilà. Bon. Tu dis bonjour? Non, il dit pas bonjour. Ouais, non, Bon, non. bah voilà, il est content. Voilà. Il est Et content. ouais, Il comme est nous. content. Il est content. Enfin bon, il s'en rend peut-être pas compte tout de suite. Ouais. Voilà. Mais il sera content. Tout à fait. T'auras plus de place, il sera content. Allez, ciao.